Dans un message rendu public, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, exprimait sa profonde compassion à la France, un jour après l'attentat contre une église près de Rouen. Mercredi, il a réitéré ses propos à son homologue français François Hollande au cours d'une visite à l'Élysée. Tout en qualifiant de terroriste et de barbare cet acte qui a coûté la vie à un prêtre, le président malien a dit tout son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Je dis toute mon indignation et toute ma sympathie au peuple français, à l'ensemble du peuple français. Nous sommes ensemble. Mon pays également est victime du terrorisme. Devant un destin qui se croise. Toutes nos sympathies. Malgré l'intervention militaire menée en janvier 2013 par la France qui avait permis de chasser des groupes djihadistes de certaines régions du Mali, le pays fait toujours face à des attaques meurtrières. Des territoires entiers restent sous le contrôle des militants islamistes.